Et donc, salut tout le monde, c'est Flavien Tentieux, sur ce toit pour un nouvel épisode avec la Prusse. Précédemment, alors c'était vraiment l'épisode Barbarossa, parce que on a réussi à prendre. Alors, on a pris Kiev, non, je crois que ça on a déjà pris. On a pris Saint-Pétersbourg, et maintenant on était à Moscou. Et ouais, comme quoi la Blitzkrieg, ça marche bien, vous voyez. Donc, maintenant qu'on a pris. Ah oui, c'est vrai que j'ai un agent qui traîne. Bon, on va l'envoyer là. Putain. La Russie qui est en train de brûler de partout. Oh là là. On a des anarchistes à la Makhno dans Arkhangelsk. En vrai, il serait que 5-6, parce que bon, vu comment il n'y a pas beaucoup de gens. Alors oui, aussi, on se prépare. On a essayé de donner l'indépendance qu'à la Crimée, même si les Espagnols ne le voulaient pas. On a quand même dû payer l'IA avec qui on est en guerre pour accéder aux territoires. C'est très logique. C'est très logique, hein, je vous rassure. Donc normalement, au tour suivant, les Espagnols devraient se faire dégager, parce qu'ils n'auront pas le temps de recruter des troupes. C'est vrai qu'on a aussi notre micro-armada qui se prépare à débarquer en. Ah oui, c'est vrai qu'on est en train de préparer un débarquement en Afrique du Nord, notre opération Torche. C'est vrai que le pape. Est-ce que le. C'est vrai que le pape, il est encore en train d'essayer son expédition dans le Nord? Est-ce que je recrutais des troupes? Oui, j'étais en train de recruter des troupes, il me semble. Pas de troupes? Parce que bon, bah, ça fait quoi là-dedans? Ça fait pas beaucoup de troupes quand même. Non. Oui, là bien sûr, il n'y a rien. En vrai, je pourrais très bien garder l'Algérie pour moi. Hein. Écoutez, pourquoi pas l'Algérie allemande? Albert Camus allemand. Écoutez, il y a la saison avec la Russie, les Autrichiens étaient en Algérie. Bah, Albert Camus était autrichien. Voilà quoi. Bon, autrichien allemand, c'est pas pareil. Là, je vais me prendre les pro-Anschluss dans la figure. Tu ne peux pas dire que notre peuple est semblable. Nous avons des langues différentes. Oui, c'est vrai. Toutes mes excuses, Votre Altesse. Alors, je vais quand même recruter un petit corps d'armée. 5 unités. Et bah là, si ça fait pas bobo aux vilains espagnols. C'est parfait, là on va avoir deux nations qui vont naître. On va avoir Leandro Bolelli qui va reconquérir sa patrie. Que j'ai un peu aidé hein, quand même, hein, on déconne pas. Ah oui, c'est vrai que lui aussi que je l'envoie débarquer. Et que je suis diabolique, je suis méchant. Ah, que je suis méchant. En vrai, je peux très bien prendre Malte. Les chevaliers de Malte, ils sont alliés à qui? C'est le mec qui est violent, il attaque tout le monde sans réfléchir. Malte, si tu te vois allié à quelqu'un, je te bute. Oh non, ils font chier personne. Cette faction, elle me fait rire parce qu'il y a une fois sur deux, tu vas voir. Bah avec là, quand jouait la Russie, y a les Anglais sont venus les envahir. Mais sinon, cette faction, elle ne dérange personne. Personne vient les faire suer. Bon, un truc qui est pas très réaliste quand même, c'est même quand tu prends toutes les côtes de la Russie, la flotte russe, elle est toujours là. Faudrait qu'ils mettent un malus si t'as plus de port, que ta flotte, elle commence à se dégrader un peu. Parce que je suis désolé, mais si la flotte russe, elle a encore les moyens de se défendre alors qu'ils n'ont plus rien, bon, commence à se poser des questions. Mais y a rien? Mais purée! Ah oui, ils ont bouffé le Daghestan. Aïe, 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 aïe. Alors les Anglais qui sont en train de faire un nouveau corps expéditionnaire. Les mecs, on vous attend, hein. Le corps expéditionnaire pour libérer vos amis, là. Ah mince, les Français. Débarquement français. Oh, j'étais en train d'écrire un message, petit enfoiré là, me péter mes ports. Enfin, me péter, oui, les ports en plein milieu de la campagne, bien sûr. À me péter mes fermes, espèce d'enflure. Les Indiens qui, je ne sais pas ce qu'ils font. Eh, pour une, on va pas se plaindre qu'une faction mette en paix les Indiens. Est-ce que bon, les Indiens, comment ils viennent te casser? Purée, le pape qui me fait peur. C'est vrai que le pape, il est en train de faire une espèce de débarquement à la Dunkerque. C'est les mecs, ils vont revenir, il y aura plus rien. Ils sont où les copains? Ah bah, ils sont tous morts. Ah d'accord, très bien. Bon, en vrai, l'IA, elle va pas tenir éternellement à ce rythme-là. Kurzen, il va se faire un peu. Allez, oui, deux pays d'un coup! Vive la Crimée libre! Mince, j'ai appuyé sur un message. Mince, j'ai passé un message. Merde. Le condensateur électrique. Très bien, je m'en fous. Lettre de demande de la Moscovie. Bah, bien sûr, ils allaient pas se tenir tranquille là. Bah non. Vous allez me faire suer, bien sûr. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment que ces guignols allaient rester tranquilles plus de 5 minutes? Bah non! Et bien sûr, le problème, c'est que je ne sais pas par où ils vont arriver. Alors, travailleurs en grève en Moscou, oui, bah bien sûr. Mission victorieuse. Ah, oh! Oui, on voit vraiment toute l'Espagne. Putain, regardez ça, je vois tout. Ah, mais purée, regardez tout ce qu'on voit. Eh, banasse les services secrets français, enfin, les services secrets allemands, hein. Le Khanat de Crimée est né. Et on a aussi la Naples et la Sicile. Bon, normalement, c'est le royaume des deux Siciles, mais bon, hein, je ne vais pas paraître trop long non plus.
Alors, voyons voir ces deux petits pays. Est-ce qu'ils m'aiment? Ah, ils sont pas en guerre? Oh, c'est parfait. Allez, Shay, le canal Crimée est contre vous. Et en plus, il redevient un protectorat. Oh, c'est mignon. Frédéric II qui va faire copain-copain. Mais pourquoi non? Je t'ai. Mais cette espèce d'ingrat, je t'ai filé du fric pendant des années. On croirait les talibans avec les américains. On vous a financé pendant 30 ans et vous osez vous retourner contre nous? Mais bande d'enfoirés! Mais bande d'enfoirés, on vous a donné des milliards de dollars et vous nous trahissez! Mon noble souverain Selim Ier est intérêt à te détendre. Tsar en plus. Ouais, c'est comme si j'allais te donner le trône de Russie, tu sais. Ah, ce fumier quoi. Le mec, je suis sympa, je lui libère un territoire. Ah non, non, je vais aller quand même te faire la peau, hein, sinon. Ah, t'as de la chance que je suis quelqu'un de sympa. Vous me connaissez pas, mais en vrai, je suis quelqu'un de très sympa. Ce. Je limite, il m'insulte, je fais pardon monsieur d'être sur votre passage, mais. Ah, mais là, il me sort par les yeux, là. Je sais pas par où on. Je sais pas parce que c'est l'expression de base, mais. Ah, le fumier, quoi, c'est. En plus, j'allais justement proposer de bouffer ce qui reste de la Russie et de le donner à ton maître. C'est vraiment que je suis sapin. Sapin, oui, je suis un arbre. Ah, bah oui, vous saviez pas. Ah, ah, ah. Ouais, je suis un sapin. Hey. Qu'est-ce que vous croyez? Feu par rang. Allez, on fait ça. L'université de Magdebourg. Putain. Mais en plus, Magdebourg, c'est pas genre les philosophes. Non, c'est quelle université où il y avait des philosophes? Bah, c'est Berlin, quoi. Et les mecs, on va leur donner le pire job possible. J'imagine trop les philosophes à la cante et tout, et tu les vois arriver. Vous faites quoi? Bah, vous allez vous gérer les fusils, tiens. Mais c'est pas notre job! Oui, alors. Mais vous savez quoi? Je vais faire un truc, sachant que le Khanat Crimée, historiquement, c'était l'équivalent de. Le Khanat Crimée, c'était tout ce qui restait empire mongol. Bah, on va dépecer la Russie, hein. Je pense que le Don Vosco, le Tchétchénie et l'Astrakhan, ces quatre-là, on va le donner à la Russie. Écoutez, moi, je veux abattre la Russie, parce que bon, hein, j'en ai un peu marre de cette faction. Je vais faire en sorte que la Russie ne se relève plus jamais. Bonjour monsieur, je viens vous casser la figure. Y'a personne? Au revoir Yakov. Alors, par contre, je vais quand même demander l'accès. Bah, attends, on va devenir alliés, mon poteau. Yeah, frère! Et voilà! On est dans la même alliance! Selim, alors! Ça, mais non, non, je vous aime pas. Ah bah, en fait, je me suis peut-être un peu moqué. Non, mais. Après tout ce que je viens faire pour toi. Ah, l'orthodoxie commence à descendre. Là, Nijni Novgorod, on va construire un maréchal ferrant. Comme ça, on va apprendre à ces singes de Russes à travailler. Je vais vous mettre au travail, moi. On va venir avec mes copains et on va te mettre un petit tutu, là, comme ça. Excusez-moi, fallait que je fasse cette blague. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. T'as en plus, je m'occupe le port là-haut, quoi. Et c'est vrai que mon allié, il s'est fait descendre. Oh, Destroyski qui vient me faire suer. Allez, dégage. Oh, Novgorod. Vous pillez Novgorod. Vous pillez le sanctuaire de votre histoire. Vous avez vraiment aucun culot. Ah, une petite ferme à construire. Ah là là. Ah, je vais avoir du ménage à faire, là, en Russie, si je dois descendre tout ce beau monde. Bon. Ah, je pense qu'on va reconstruire un truc là. Et on va... Oh, mais il y a du monde, dites donc. Et il y a encore une école. Un séminaire à bâtir. Je crois que mon allié crimin, il va être très content de recevoir votre séminaire. Et allez, on construit une université de théologie protestante. Ah, c'est vrai que j'ai plein de fermes à construire. Oh, mais c'est magnifique. La révolution verte... Oui, la révolution verte. Bah déjà, si j'oublie ce que je vais dire, ça va très mal commencer. La révolution verte prussienne, la fameuse. Vous savez, vous avez la révolution verte indienne où ils balancent 50 000 tonnes de produits. Ouais, c'est ça le problème, la révolution verte. Je me rappelle, j'avais vu ça bah, au collège ou au lycée, c'est ça. Révolution verte, ça a été un bon début pour l'Inde, mais c'était un fiasco parce que bah, le problème, quand tu mets 50 000 tonnes de produits toxiques pour faire pousser plus vite, bah, y a un moment où ça fonctionne plus. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de produits qui ont été flingués. Du coup. Oh là, tout ce que je construis. Atelier du forgeron, les gens sont pas contents, mais c'est les feux de l'industrie, comme dirait Petit Poussé. Je m'en fous que soyez pas contents. École supérieure, allez les Polonais, je vous attends. Construis une marine de pêche, je sais même pas s'il y aura encore des poissons dans 30 ans dans ce jeu à force de tout avoir buté. Ça devrait mettre un petit truc écologique, vous avez construit trop de ports de pêche, il n'y a plus de poissons. Ah, oups, j'ai peut-être fait une petite bêtise, moi. Les Espagnols n'ont pas l'air d'être trop... Tandax, ça moi ça me va, hein. Oh, c'est bon, avec l'armée qu'on a, j'aime bien, j'ai ma petite milice. Les mecs là, ils vont rien comprendre du tout. Bon. On va mettre tout ça là-dedans. Hop. C'est le général Frédéric Stolberg qui va maintenant lancer la grande offensive. Alors, par contre, je vais quand même sauvegarder parce que je tiens pas à perdre une armée tout entière en plein milieu de la Méditerranée. Je dis ça et je vais tomber nez à nez avec une flotte espagnole. Bonjour, monsieur. Pas de flotte espagnole, pas de flotte espagnole, je t'en prie. Y'a pas de flotte, c'est bon. Ben, on va commencer par la Tripolitaine, tiens.
Oh non, on va... Ah, on va mettre... Oh, purée, on met du temps, quoi, à arriver en... Aïe, 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 ça va être chiant. Là 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 là. Oh, ça va être compliqué. je pense qu'on va attaquer la Tripolitaine et on va dégager les Espagnols d'Afrique. Hein. On va faire Rommel. On va faire une Rommel, tiens. C'est vrai qu'on a une deuxième armée qui arrive. Alors, eux, ils vont pas la voir venir, celle-là. Ils vont pas la voir arriver. Pendant ce temps-là, je me balade avec mes alliés qui s'entretuent, tranquille. Ça va, les gars? Petite bise, hop là, voilà. Voilà, donc, le Don Vosco, on s'en empare avec toutes les armées russes du coin. Alors, ils ont quoi? Des Cosaques. Laissez-moi te deviner, des Cosaques. Ah non, la l'infanterie de ligne, j'ai perdu mes pronostics. Alors, vous n'allez pas attaquer le canal de Crimée? Non, de toute façon, ils peuvent attaquer par là. Le canal de Crimée, c'est mon petit protégé. Je vais vous casser la figure si vous y touchez. Canal de Crimée, vous pensez toucher à qui là? À mes petits vassaux? On va bien aider l'Ottoman à dégager les Russes. Parce que je m'attends, moi, je prévoyais juste à la base redonner le territoire. Mais bon, j'ai vu que j'ai une petite idée qui m'a germé en. Oui, une idée que germe, c'est ça. Qui m'est venue à l'esprit, à savoir mettre en PLS le Russe, histoire de pas qu'il se relève. La Hollande doit vraiment être bien pacifiée pour qu'il y ait si peu d'armées. Ah, oh, il y a beaucoup d'armées espagnoles quand même. Et finalement, si j'attaque l'Espagnol, ouais, je pense qu'en vrai, ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre le contrôle du Maroc, s'en faire un allié, de dégager les Espagnols d'Afrique. Et lorsqu'on entre en guerre contre la France, surprise! Alors là, je vais vous dire, l'Espagne, on va en faire un champ de ruines. Vous voyez les belles mosquées de Grenade? Ah bah, il n'y a plus rien à voir après mon passage, hein. Ouais, j'aurais peut-être dû. Oh, l'Ottoman qui se fait encore démonter, mais mec, c'était même pas fichu de tenir une flotte. Les Russes, là, ils sont en PLS. Là, l'économie russe, je sais pas comment il y a encore une économie qui tourne. Parce que là, l'économie russe, c'est 95%. C'est 5% de pêche avec Arkhangelsk et la Carélie. Oui, bah quand même, t'es suffisamment grand pour reprendre le contrôle de la Carélie, quoi. Je vais pas devoir venir derrière. Oh, mec, t'as pillé 5 fois le même. C'est quoi, c'est un bain public. T'as pillé le cinquième bain public du mois, quoi. Ça commence à faire beaucoup, là, monsieur. Bon, l'Italie, je pense qu'on va laisser se débrouiller. Hein, elle est suffisamment grande pour s'unifier toute seule. Eh, les Espagnols me captent pas. Je suis littéralement en train de traverser leur territoire là. Bonjour! Bon, la Hongrie a décidément envie de casser de l'Ottoman. Remove kebab. Naples et Sicile. Ils vont pas attaquer le pape quand même! Oh putain, si le pape se fait bouffer par Naples et Sicile, le meilleur unificateur de l'Italie, tu sais. Le mec qu'on n'a pas vu venir. Ils vont péter mes jardins d'agrément. Bah bravo, Nils. Bah ouais, hein. C'est qui va pas pouvoir aller flâner avec ses enfants et sa famille? Bah c'est toi, Jean-Pierre, hein. Plutôt Vladimir. Attends, j'ai un bâtiment, une ville qui vient de se créer. Bolesk. Vismilisich-Wolensk. Bah, on va construire un petit truc là. Une autre ville en Bavière. Augsbourg. Ah bah bien sûr, bah, Augsbourg. Hein. Ville tellement connue que je ne la connais pas. Ouais. Et on a Pärnu en Estonie. Ah, Pärnu. Pärnu, c'est pas la capitale. Non, c'est pas la capitale. Il y a, oui, il me semble qu'il y a une petite ville qui s'appelle Pärnu dans le coin. Construire un arsenal militaire. Écoutez, une crique bien paumée, c'est un bon endroit pour construire un arsenal militaire. Alors, il y a quoi dans leurs petites armées aux Espagnols? Oh là, mais dis donc, c'est la dèche ou quoi? Vous avez fait quoi pour une armée aussi misérable? Rapport de construction. Allez, des vignes. Les vignes, les fameuses vignes de Croatie. Eh, personne ne me croyait maintenant. Croatie, croyez, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai voulu faire une petite blague, mais ça n'est pas passé. Et voilà, tout ça. Attends, vous avez pas fini de vous reconstituer? Mes bandes d'attardés, mais je te jure, hein. C'est pas possible d'avoir une armée d'attardés à ce point-là. Regardez ça, l'orthodoxie descend et l'industrie est en train de mettre des malus. Ouais, ça par contre, ça va être problématique. Bon. J'ai quand même demandé l'accès militaire à lui parce que je tiens pas. Alors, je te demande l'accès militaire pendant. Indéfiniment. Hé, hey, je t'ai donné la vie. Enfin, je t'ai aidé à être indépendant. Ah, bah un peu de fric parce que t'es faible. T'es faible économiquement. Là, il y aurait un prêt de l'OMC, c'est ça? Non, c'est quoi qui fait des... Merci. C'est quel pays qui fait des financements pour quand ton pays, c'est vraiment la merde? Alors, afin d'éviter que l'IA vienne nous casser les pieds, on va quand même laisser deux unités. Bon, ces deux-là. Alors, le 42e régiment et le 23e. Allez, on va aller casser du Ruskov. Détruit! Yes! Ah d'accord, très bien, vos armées sont isolées, bah ça me va. Allez, boum! Stavropol, on va péter leur satané. On va péter ce satané monument. Enfin, un monument? Quand le visite-t-on? Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire la blague. Toi, je vais pas te laisser fuir, mon coco. Voilà, je préfère. Est-ce qu'on fait la bataille, vous pensez? 14 minutes où j'ai pas encore fait de bataille. C'est vrai que les épisodes où t'as pas de bataille, c'est les plus chiants quand même.
D'ailleurs, je ne vois pas mon chrono. J'espère que mon chrono, il s'est lancé. Oh purée, je peux même pas vérifier. Oh l'horreur. Non, normalement, j'ai lancé le chrono. Il n'a pas intérêt à m'avoir fait. Si le chrono me fait un coup bas, là, je vais être en rage. Enfin, ça ne servira à rien s'il n'y a pas de tournage. Oleg Petrov, eh ben, je vais te casser la figure, mon gars. Tu vas pas savoir ce qui t'arrive. Les Russes, là, l'armée russe, je sais pas qui est volontaire en tant qu'ingénieur armée russe, mais croyez-moi que vous avez plus de chances de survie en tant qu'ingénieur dans les usines prussiennes que dans... on vit très vieux dans les usines prussiennes, qu'est-ce que vous croyez? On va même faire comme Bismarck, on va même installer le système pour que les gens vivent plus longtemps, là, les assurances. C'est ça qu'on oublie, hein, c'est tout le monde qui fait « Oui, la France, avec l'assurance santé et tout, oui, la sécurité sociale, c'est un grand progrès. » En fait, le problème, c'est que c'est pas un pays socialiste, Camille. Enfin, bon, ouais, je dis ça, mais il y avait bien avant la France qu'on avait l'assurance, la sécurité sociale, et c'était la Prusse, enfin l'Allemagne, Bismarck, qui n'était pas du tout un état socialiste. En fait, le troll, c'est qu'ils ont mis des mesures socialistes pour contrer les socialistes. C'est du socialisme sans socialisme. Oh oui, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai qu'une unité de cavalerie. Oh, purée, oh non. Oh non, si tous mes renforts, ils arrivent aussi lentement. Est-ce qu'ils vont me tirer dessus, vous croyez? Bien sûr, ils vont m'envoyer leur armée. Bah bien sûr, bien sûr. Ils vont pas se contenter à me regarder comme des andouilles. Ils vont pas se contenter d'être en mode full metal jacket. Je te donne 5 secondes avant que je fasse éclater ta sale gueule. Comment il disait l'autre? Ouais, c'est ça, c'est... je te donne 5 secondes. Non, 3 secondes, absolument, 3 secondes pour effacer ce putain de... Ah, ma cavalerie. Oh là. Ouh, PVC qui savait viser en plus, c'est con. Le manque de respect à l'IA. Ah, parce qu'en plus, vous savez viser. Bah voyons. Mais attends, il touche mon général en plus. Eh, mais ça va pas du tout. Et depuis quand les Russes, ils savent viser? Pourquoi c'est de lag, chef? Je sais pas. Je sais pas, j'ai eu envie de troller l'armée russe. Bah écoute, avec toutes les raclées que j'ai mis aux Russes, ce serait bien temps qu'ils savent viser, hein. Je veux dire, hein, avec tout ce que j'aurais mis dans la figure, s'ils savent toujours pas viser, je vais commencer à m'inquiéter. Bon, au moins, ils savent me mettre des raclées. Ça, c'est un bon début. C'est un bon début. Ils ont leur diplôme de savent viser à l'artillerie. Enfin, ils me touchent, mais ils tuent personne. Ils ont juste mis de la terre sur l'uniforme mon général, ce qui est pas très sympa. Hein. Parce que vous savez pas combien ça coûte un uniforme à refaire alors. Hein. Attends, il y a deux unités de cavalerie ou d'artillerie ou... Ah non, d'accord, c'est les Cosaques qui... Ça, c'est ce qui me fait toujours rire, c'est quand l'IA se met là, et t'as tout le reste de l'armée qui se fait buter, et eux là, ils sont dans leur coin. Bon bah, allez, vous vous débrouillez. Vous êtes sûr qu'on voit les ennemis? Est-ce que moi, je vois juste des drapeaux qui flottent? Chut. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour pas se faire buter au combat, alors tais-toi, Fred. Fred, c'est pas russe comme prénom. Oui, bon, bah écoute, hein, il y a bien des minorités allemandes en Russie. Écoutez, quand dans le développement de mon mode, j'ai bien fait des recherches et il y a bien une minorité allemande dans la Volga. Il y avait même un état communiste. Ah, mais ça, c'est mesquin, ça, mon petit. Mon petit, ça s'appelle une véritable trahison. Ah, mais c'est vraiment mesquin, ça. Mais va-t'en méchant. Va-t'en méchant. Attends, je vais te ramener un petit régiment, Ça, je te présente le 29e régiment. Et eux, ils aiment pas trop qu'on fasse chier ma cavalerie. Et ils sont en train de me démonter, génial. Ça serait bien que le 29e, ils se manient, hein, parce que je veux bien que vous soyez lents, mais quand même. Là, vous êtes plus des escargots à ce rythme-là. Mais ils sont là, mais... Vous mettez 100 ans pour vous tourner, à ce rythme... Si vous mettez 100 ans pour tourner comme moi je tourne une vidéo, bah purée, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, bah allez, attaquez-les. Attends, je me prends des pertes, comment ça? Mais tirez, ils sont juste sous votre nez! Bon, si vous tirez sur les mecs qui sont juste à côté, tu parles que ça va être une bonne nouvelle. Attends, ils m'ont buté beaucoup de gens là quand même, les. Ok, je comprends plus rien à la mêlée. D'accord, c'est qu'ils me balancent de la terre à la figure. Non, mais les gars, on va tout de suite mettre les choses au clair. Hein. Tu balances mes hommes, je veux bien que j'ai des artilleurs pas très compétents, mais tu les respectes. Hein. Ces mecs là ont fait des dizaines d'années d'études. Enfin. Ouais, pour les miliciens, on leur a juste filé un fusil et on a juste demandé au fermier du coin de prendre un fusil. Bon, bah voilà. Hein. Ah bah en plus, Igor. Juste pour ça, quoi. Le mec, il est tellement con qu'il m'a fait une charge suicide. C'est ça, c'était Igor. Oleg. Oh, pardon. Allez, dégage. Va-t'en, méchant. Voilà, eux, ils sont plus que 11. Moi, ça me va. Allez, hop, on ramène des renforts de ce côté. Bah, vous contournez discrètement. J'ai bien dit discrètement, hein. Alors vous évitez de faire les cons.
Est-ce qu'en vrai, je ferais pas un raid kamikaze avec mes grenadiers? Oh oui. Oh, pourquoi j'ai une idée sadique dans la tête qui me vient à l'esprit? J'imagine trop les soldats qui voient leurs supérieurs en train de rigoler dans l'ombre. Chef, vous faites quoi? Excusez-moi, je suis juste en train de préparer un plan pour vous sacrifier. D'accord, très bien. Allez! Lancez les grenades, mes petits! Chef, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de nous envoyer? Ah bah oui, vu comment les mecs nous oublient totalement, hein, y a pas de problème. Hein, les mecs, je suis juste en train de les compter. Y a juste un commando suicide qui est en train de leur foncer dessus. Non, tout va bien. Hein. Les gars, je veux pas paraître con, mais je pense qu'il faudrait faire attention à ces mecs qui sont en train de nous lancer des grenades, qui sont en train de se diriger vers nous. Pourquoi ils sont aussi grands, ces hommes? Nous sommes les grands soldats du Zal. Enfin, du Kaisel. Pourquoi vous avez des accents russes? Moi, être le Russe, avoir été pris par le soldat du Kaiser. Est-ce que oui? Je crois que j'avais déjà raconté cette anecdote, mais... Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non! Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais non, mais ces espèces de demeurés! Mais qu'est-ce qu'ils leur ont pris? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je vous ai juste demandé de les contourner, pas de faire une charge suicide! Mais ces espèces d'abrutis! Ils m'ont fait une charge de la brigade légère! Et heureusement qu'il y avait les canons, ils ne sont pas pris la figure, parce que là, il y aurait eu, ça aurait été un carnage. Pourtant, il y a littéralement toute l'unité qui a failli y passer, quoi. Mais ces bandes d'attardés, je te jure. Ah, c'est pas possible d'être aussi teubé dans cette armée. Pourtant, je suis pas gouré, j'aurais bien dit de... surtout, fuyez pas, hein, je vous demande de fuir. Voilà, là, vous pouvez charger comme des cons. Voilà. Voilà. Bah voilà. Pas compliqué quand même. On les bute, rassurez-moi. Ouais, bon, par contre, ils sont un peu trop nombreux. Hein. À 30 contre 100, c'est normal que je perde. La défaite est légitime. Bon, ils se barrent là, les 3. Parce que là, si je les perds, je vais me sentir un peu con. Putain, mes grenadiers, non, pas mes grenadiers, s'il vous plaît. Va-t'en méchant. Mais bon, c'est la vanne du jour, hein, le va-t'en méchant. Oh, et en plus, ils courent sur ma cavalerie. Va-t'en méchant. Laissez mes soldats tranquilles, vous. Non, mais. Allez! Bonjour, c'est nous, les grenadiers. Vous aimez le Bomberman? Eh ben, bonjour. Ça boum. J'imagine trop les grenadiers. La dernière chose que tu vois, c'est un mec en train de te lancer une grenade et te faire... Alors, ça boum. Salut les gars, ça boum. À votre place, je ferai pas trop ça. Ah non, non, faites pas ça. Non, 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 non. Mais vous êtes cons. Oh putain. Oh, c'est parfait. Oh oui. Vous n'avez plus aucun moyen de fuir. Excusez-moi, mon côté sadique revient à la charge. C'est ça, fuyez, vous n'avez plus aucun échappatoire. Aucun ou aucune échappatoire? Non, c'est un échappatoire. À moins que l'écriture inclusive ait décidé un changement, mais moi je suis pas au courant, hein, perso. Je ne sais pas. Non, 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 non! Les grenades! On a dit les grenades! Ami, entends-tu le vol noir des grenades prussiennes qui vont te tomber à la figure? Vraiment, vous imaginez, la dernière chose que tu vois, c'est un mec te lance une grenade et il te fait une blague de merde en faisant « Alors, ça boum !» Je crois que c'est le pire truc. Je crois que la kill time, elle serait désastreuse. La dernière chose que tu vois, t'es en mode « Oh, quelle horreur !» Allez les gars, on y retourne. Allez, ils en ont encore envie. Et boum, on vous fait un petit cadeau de Noël. Oh oui, oui, venez, venez au milieu du champ de grenades. Oh, ah bah non, par contre, si vous m'attaquez, c'est pas drôle. Il y a mes copains qui tirent derrière. Vous ne passerez pas. Par contre, oh putain, mes grenadiers. Ouh là là, va falloir aller chercher du géant à l'étranger. Non, parce que c'est comme ça que fonctionnaient les grenadiers de ce cher Frédéric. Frédéric Ier. En fait, les grenadiers, c'est des mecs qu'ils ont enlevés aux quatre coins de l'Europe. Oui, ils ont même failli entraîner une guerre avec la Pologne parce qu'ils ont essayé d'enlever 3 géants. Et je crois qu'ils ont aussi failli entraîner une guerre avec le pape. Pourquoi? Bah, ils ont eu l'idée géniale d'essayer d'enlever un géant. D'essayer d'enlever un géant italien, je crois, qui est un curé en plus. C'est le curé. Qu'est-ce que vous faites ici, mes fils? Mon fils, bonjour, je viens vous emmener parce que notre Kaiser aime beaucoup les géants. C'est très flatteur, mais bon, je ne vois pas pourquoi. Ah, vous venez pour moi, c'est ça? Oui, oui. Oh, mince. Oh! T'as vraiment cru que j'allais me laisser faire, petit con? Mes géants, mes petits soldats adorés. Putain, vraiment, vraiment, la longévité dans cette unité, c'est pas terrible, quoi. Tu vis 5 minutes et tu meurs, voilà, hop. Enfin bon, normalement, l'IA, elle est pas censée contre-attaquer. Enfin, si, logique, l'IA, normal que l'IA contre-attaque. Hop, on va attaquer là-bas. Là-bas, ils sont tous morts, c'est bon. Eh ben, allez, on va aller là. Pendant, voilà, qu'est-ce que je vous dis? Oula, attention, on va avoir un petit tracteur qui passe, là.
Non, c'est comment, c'est l'herbe qui passe. Pas de mauvais jeu de mots, je vous prie. Restons sérieux. Mais regardez-moi ces guignols, il y a tous leurs copains qui viennent se faire buter. Vous êtes sûr qu'on devrait peut-être pas intervenir? Non, non, vous inquiétez pas, ils se débrouillent bien. Non, à ce que je veux pas dire, mais quand même, il y a plus grand monde là. Le général, il est mort, nos soldats, ils sont morts aussi. D'ailleurs, je voulais voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme le carnage de mes grenadiers. Bon, oui, il y a beaucoup de grenadiers à moi aussi, hein, bien sûr. Oh là là là, c'est un beau carnage. En même temps, c'est guignol, quoi. Vraiment, mais on ne saura jamais pourquoi le 3ème régiment a foncé. Ça sera un des grands mystères de l'histoire. Vous savez, vous avez le mystère de est-ce que Napoléon a-t-il été empoisonné? On sait que la réponse, c'est... Il me semble que la réponse, c'est non. Il n'a pas vraiment été empoisonné. Il n'a pas été empoisonné c'est pas les vilains anglais qui ont voulu l'empoisonner à Grogu. Non, c'est parce que à Sainte-Hélène, il y a beaucoup d'arsenic dans le sol. Le problème, c'est que Napoléon buvait beaucoup de café. Et le café, il faut de l'eau. C'est QFD. Et le problème, c'est que le café de Sainte-Hélène, l'eau de Sainte-Hélène, c'était de l'eau contenant beaucoup d'arsenic. Donc en fait, tu cumules avec l'ulcère, autant dire que tu finissais dans la tombe très vite. Bon, après, je crois qu'il y avait aussi un historien qui avait dit le truc qui a tué Napoléon, c'est l'ennui. En même temps, le concept Sainte-Hélène, c'est si. À la base, Napoléon, il devait pas aller à Sainte-Hélène. Bon, il y a eu l'île d'Elbe. Ça a pas très bien fonctionné. Non, à la base, les Anglais voulaient l'emmener chez eux, en Écosse. Et en fait, ce qui s'est passé, le navire a même pas accosté. Sérieux, vous venez m'attaquer? Ah, vous avez le courage. Purée, vous avez passé les trois quarts de la bataille et le tapis dans votre coin. On va pas tirer. Regardez-moi ces petits courageux. Ils vont se mettre sous mon feu. Ah, mais moi, les gars, je vais vous offrir un déluge de feu. Vous allez voir l'enfer sur Terre. Les mecs, ils doivent tellement se dire... Je vais prendre quelques pertes, mais j'adore faire ça. À savoir, encercler l'IA de mes unités. Et faire un feu à volonté. Pour voir combien de gars ont tombé. Et non, en fait, le navire n'a même pas... Napoléon n'avait même pas débarqué en Angleterre, qu'il y avait des milliers de personnes qui venaient faire « Oh mon Dieu, c'est Napoléon, c'est le French tyran et tout. » Je suis sûr, si t'avais Instagram à l'époque, t'aurais 50 000 personnes qui auraient voulu prendre un selfie avec lui. Oui, je suis pas sur Instagram, donc je ne sais pas si je me trompe ou non. Mais bref, t'aurais tout le monde qui aurait pris une photo avec lui. Allez, feu à volonté. Et je crois que l'autre possibilité, c'était de l'envoyer en Russie, oui, le tsar aimait tellement Napoléon, enfin, il l'aimait, il voulait bien l'avoir pour lui, mais le problème, on s'est rendu compte que vu sa condition sanitaire, tu l'envoies en Russie, le mec, il vit 3 jours et il meurt. Attends, il y a encore des survivants là-bas? Donc les 4 là, je vais pas les laisser en vie. Ils sont tous morts? Alors on a tué combien de gars sur leur... pas mal quand même. Regardez ce peloton d'exécution. On a perdu quelques gars là, de ce côté. Bon, c'est pas très grave. Parce que bon, de toute façon, on a gagné. La bataille est gagnée, on a plus... Chef, on a encore perdu les soldats. Écoutez, la bataille est gagnée, on n'a plus rien à craindre. Bon, voilà, une petite bataille assez easy contre les Ruskov, qu'on a mis en PLS. Là, on est en train de libérer le Caucase. Je suis sûr qu'en vrai, t'as les Caucasiens, enfin, les minorités cosaques qui sont pas très contents de me voir arriver. Après, techniquement, si je vais libérer le Tartarstan, je crois que c'est ça le nom de la province. Oh oui, j'oublie. Purée, je veux bien que ce soit nombreux, mais peut-être pas à ce point-là pour vous casser les pieds, non? Voilà, regardez, on dirait Pac-Man. Ok, très bien, j'imite pas. Ah, oh, une magnifique esquive! Oh, oh, oui, il a fait une magnifique esquive! Victoire décisive, ah, bien sûr, attends, j'ai tué tout le monde. C'est normal que j'ai gagné, il n'y a plus personne en face. Ah, alors est-ce qu'on a gagné de l'XP? Bon, mon régiment de chevaux sont... La gendarmerie a fait 122 morts. Putain, et sortez pas cette phrase sans contexte, s'il vous plaît, je vais avoir des problèmes. Oh, ils sont pas morts, mais t'es sérieux, le mec, il est à l'autre bout de... Le mec, ils sont combien? Il y a quoi dans cette unité? C'est pas les 11 singes de tout à l'heure, mais si. Mais c'est correct, c'est les 11 singes. Émeute de trahir à Moscou, oui, je suis au courant. Ouais, bah en fait, je crois qu'ils sont en train de tout me récapituler. Oui, je sais, je suis au courant de tout. Je suis au courant, je suis omniscient, je sais tout ce qui se passe dans ce fichu pays. Enfin, quasiment, mais en vrai, je suis pas trop sûr moi-même, donc bon. Bon, on va aller foncer sur le Daguestan, histoire de prêter main forte. Oh, oui, j'allais oublier. Alors, on va se rapprocher discrètement des côtes, pas d'Espagnols dans les ports, s'il vous plaît. Personne? Sérieux? Par contre, j'ai peur que si je vais libérer l'Afrique du Nord, ça va mal se passer pour moi. Bonjour! Oh, bah il y a du monde! Oh, regardez-moi ça! Ça commence la colonisation à ce que je vois. On a des petites troupes de tirailleurs sénégalais là. Enfin,
Non, tirailleurs... Non, pas tirailleurs sénégalais. Bah non, c'est con. Techniquement, ce serait plutôt des Maliens ou comme les Amazones du Dahomey, mais ça fait quand même loin le Dahomey d'ici. Après, va savoir, on a peut-être effectivement des troupes espagnoles venues du Sénégal. Ça, c'est ça le problème, que la carte n'est pas assez blobée. A été blobée, oui, bien sûr, Corik. Pas été assez développée. Alors, je pense que je vais attendre un peu, parce que les Amazones du Dahomey, croyez-le ou non, c'est une unité qui fait très bobo. En fait, les Amazones du Dahomey, quand t'es pas au corps à corps, tout va bien. Par contre, t'es au corps à corps, t'as intérêt à fuir. Bon, après, les Amazones du Dahomey étaient surtout connues pour être de bonnes unités au corps à corps. Concrètement, t'avais plus de chances de mourir en tombant d'une échelle que de survivre face à une Amazone du Dahomey. Oui, cette statistique est inventée par moi, cherchez pas. Mais concrètement, si tu tombais face à une Amazone du Dahomey, elle allait pas te laisser en vie. Bah, elle allait surtout te couper la tête, enfin faire en sorte que tu passes de l'état vivant à l'état mort. Mais bon sang, je vous ai dit de... Ah. Bien sûr, et mes unités qui refusent d'obéir, hein, ça... C'est plutôt moi qui donne pas les ordres, hein, donc Corik ferme là. On va aller s'occuper du cas de la Carélie afin d'épauler le Suédois. Quoi dans leurs petites armées. Oh là, donc... Eh, il y a du monde quand même, hein, les mecs ils sont à l'agonie, mais ça recrute dur. J'ai pas une milice à mettre, parce que bon, ça me ferait quand même suer de... Bon, allez, on va recruter une milice de ce côté. Allez, hop. On s'enfonce en Carélie. Niet Molotov. Niet Molotov. Palam pam 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 palam pam pam palam pam pam. Tu dis plus de mensonges que Bodiakov. Et hop, on assiège. Ils ont pas de fort. Oh. Oh purée, attends, mais leur artillerie, elle a morflé. On va attendre un peu, parce que la Carélie, ça a pas l'air d'être un trop gros poids non plus. Le russe, alors je peux voir le russe, parce qu'il doit être dans un état. Alors le russe... Ouais, le russe, il est mort, regardez. 66 unités, il a encore 120 d'économique. Mais comment tu fais pour être une puissance économique quand tout ton pays est en ruine? Par contre, regardez ça, on dépasse l'Inde en militaire. Bon, l'économie, on se fait buter. Hein, c'est comme l'Inde de maintenant. Hein, l'Inde, c'est en train de devenir une puissance économique. Enfin, c'est une puissance économique, c'est un BRICS, comme on dit. Que ça se dit encore, les BRICS? Oui, ça se dit encore, les BRICS. T'as pas eu le temps de lire. Bonjour, les gars, je fais que passer. On dirait les casques bleus de l'ONU lorsqu'il y avait les guerres Yougoslavie. C'est les casques bleus ont pas servi. Enfin, on a surtout sécurisé les casques bleus français, je parle. On a surtout sécurisé l'aéroport de Sarajevo, mais bon, bah. Après, oui, on a balancé quelques bombes sur la Serbie parce qu'ils se tenaient pas tranquille, mais bon, hein, techniquement. Au revoir. Ça fait mal, mais on gagne. Alors là, les Russes, ça doit faire bobo. La flotte russe qui est complètement paumée. Alors on va où? Ça va, les Russes, ils se tiennent tranquilles. Hein. Je leur mets des raclés de partout. Bon, en même temps, si je bute tout, je me demande... Si tu butes tout, comment tu peux avoir des troupes qui vont t'attaquer? C'est le même avec le... Comment c'est l'espèce de Superman là qui fait... Sink, Corik, sink! Comment veux-tu que l'IA t'attaque s'il n'y a plus d'unité en face? Oh là là, l'armée papale qui va repartir en croisade. On dirait vraiment les croisades, tu sais. Bon, la troisième croisade a échoué. On en envoie une quatrième. Et après la quatrième, on en envoie une cinquième. Et après la sixième, on n'en voit plus rien. Parce que la septième et la huitième, c'était les dernières. On déconne pas. Il se passe quoi? Ils ont pas... Attendez, ils ont quoi comme révolte? Non, ils ont pas une révolution. Attends, si ça devient la République italienne du Sud, là, je rigole quand même. Ah, on a un nouvel agent. Bon, à toi, j'ai été envoyé en Pologne, hein. Faut quand même que je mette un minimum de gens dans cette université, sinon les gens vont aller, bien sûr. Le Don Vosco est en grève, mais je viens pour votre salut, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot « je viens pour votre salut » C'est je sais pas, je viens vous... Ah oui d'accord, vous êtes vraiment pas content en fait. Allez, mon petit copain du Don Vosco, est-ce que on m'aime en Europe? Ouais, l'Espagnol me déteste, le Pape me déteste. Alors si j'attaque la France, je rends guerre... Putain, je vais entrer en guerre avec le Pape, moi, à tous les coups. Faire que j'entre en guerre contre le pape, ça me fait profondément suer, mais bon. Qu'est-ce que je voulais voir, ma... Oui, le canal Crimée, donc. Oh, on peut faire copain avec Napsicile, tiens. Copain? Mais comment ça, regrettable, je t'ai aidé à ton indépendance. Mais je te... Mais c'est quoi? Ok, je vous ai vendu aux Espagnols, mais j'avais pas le choix. Sinon, vous allez vous rebeller, c'est moi qui allais prendre cher. Ferdinand III, d'ailleurs. Je sais même pas... Je connais pas trop l'histoire de Napsicile. Je me rappelle juste que... Oh là, c'est une vieille anecdote qu'un prof m'avait racontée en 5e. 5e, 4e. En fait, si on dit Naples des deux Siciles, c'est parce qu'en fait, le roi de Napsicile était tellement désespéré par la Sicile que lorsqu'il venait en Sicile et qu'il regardait Naples, il faisait « Mais c'est aussi pauvre qu'en face !» Attends, je vais pas donner une province. Oh putain, j'ai eu peur. Oh non, pas fait ça. Non, c'est bon.
Mais attends, il veut toujours pas. En plus, je lui, j'ai comme un con, j'ai oublié de lui demander du commerce. Oh merde. Allez, copain. Alliance, carrément. Mec, je te préviens, si t'entres en guerre contre le pape, tu vas te faire. Oh bah attends, c'est mieux. Je démonte le pape et je te le donne. Je reforme l'Italie. La géopolitique à la Corique. On va donner le Vatican au Naples-Sicile, les mecs, ils vont rien comprendre. Pourquoi vous nous donnez ce territoire? On s'en fout. Maintenant, vous êtes l'Italie, vous la fermez. On va reformer le royaume d'Italie. Et regardez-moi cette internationale, cette alliance. L'Allemagne alliée à la Hongrie, à la Suède, à l'Empire Ottoman, à la Crimée et à la Naples-Sicile. Mais c'est quoi cette internationale de singes? Il y a n'importe quoi. Mon noble souverain. Bah, j'espère que mon noble souverain. Oh, ils vont se rebeller, mais c'est pas possible. Attends, je vais casser la figure à l'autre là-bas. Je pense qu'on va les aider à mater les révoltes parce qu'ils sont trop cons pour le faire. Allez, hop. Ouh, il m'a fait mal, lui. Ouh, tu m'as fait mal, toi, mon coco. Bon, alors, un conseil, dépêche-toi de construire une mosquée pour convertir les gens. Parce que là, ils sont pas contents. Hein. C'est... Ouais, la conversion là-bas, ça va être un peu problématique, voyez-vous. Ouais, le fonctionnaire est mort. Samuel. Ah non, c'est pas mon Macron qui est mort. C'est pas mon petit Manu. Mon petit Manu prussien. Ah non, il est toujours vivant. Ernest, il est toujours vivant. 36 ans. Lui, retenez bien ce que je vais dire, il sera encore vivant à la fin de la campagne. Ah, Zuckerman, allez. Ouh, Kaiser est populaire à 80%. Frédéric II, il va être aussi populaire qu'historiquement. De mémoire, il y avait une histoire comme quoi Frédéric II, il était surnommé le chleu, enfin le vieux par son peuple. C'est la preuve qu'il l'aimait bien, hein, en vrai. Non, je pense pas qu'il devait trop... Je sais pas si c'était un surnom affectif ou un surnom en mode... Ah, le vieux, là. Ah, par contre, la petite troupe-là me fait un peu suer. Pas bon, vu. Ah oui, ils peuvent prendre la ville, fait suer. Enfin, au pire, je reprends la ville, je leur redonne. Hein. Ah bah, bah oui, c'est vrai qu'il y a une rébellion. Matez-moi. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai passé un tour et j'avais oublié. Oups. Alors, il y a quoi dans votre petite rébellion? Oh, ils ont des stress qui... Attends. Je vais même pas prendre la peine de faire une batterie contre ça. C'est une armée de clampins. C'est limite les... C'est tous les paysans pris. Tous les paysans du coin. Ouh, ça fait mal, là, par contre. Ah, ça, vous me faites... Oh, mais non, mais vous déconnez. Ça, je déteste quand l'IA, elle fuit plus vite que toi, là. Bonjour. La SNCF, elle collabore avec les rebelles russes, maintenant. Bah, voyons. Retenez bien ce que je dis. Vous, bientôt, on saura que la SNCF collabore avec Poutine. Retenez bien. Excusez-moi pour cette blague un peu bizarre que je viens de faire, mais bon. Bon, là-haut, Arkhangelsk, je pense que je vais le laisser à mon allié, parce que, bon, voilà. Commis. Ah, commis. Pour les fans de The New Order, vous voyez de quoi je parle? Enfin, vous comprenez la ref? Enfin, il n'y a pas vraiment de ref, mais bon, voilà. Petite ref invisible. Moins 1 de morale pendant les batailles, parce que c'est un général d'infanterie. D'accord, je ne comprends pas la logique, mais très bien. Alors, le français, on se déteste, mais il ne m'attaque pas. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le monde, mais je crois qu'il fonctionne mal. Ah, c'est vrai que j'ai laissé mon agent, là. Bon, par contre, l'armée de Leandro Borrelli, là, elle... C'est une armée de merde. Désolé, mais là, si vous faites attaquer par le pape, vous allez... Oh, mais tout ce qu'ils ont, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là, cette armée. Ah oui, en plus, il y a deux armées. En vrai, on va attendre qu'ils fassent un débarquement là-bas, mais bon, ça va prendre du temps, bien sûr. En vrai, je vais faire une opération suicide kamikaze un peu avec lui pour voir ce qu'il y a. Pas tellement kamikaze. Oui, c'est vrai qu'il faut arrêter de dire kamikaze, parce que ça, les Japonais n'aiment pas. Tokokai. Voilà, opération Tokokai. Mais bon, vu que le kamikaze est tellement incrusté dans la société occidentale, on ne sait plus que dire que ça. Fichtre, alors. Bon. Oh, mais ils sont contents, finalement. D'accord, c'est vraiment moi qui me crache à la figure. Eux, ils sont contents. D'accord, je ne comprends pas. C'est vraiment les gens, ils m'ont vu arriver, ils ont fait « Ah, oh non, des Prussiens, non !» Là, maintenant, les Prussiens, ils sont partis. Ah, ah oui, les Prussiens. Ah oui, les Criméens, vous avez toujours aimé. C'est les mecs qui préfèrent être Criméens plutôt que Prussiens. Bon, en même temps, ils sont plus proches des... Oh là, toutes les armées. Je pense que, franchement, ils sont plus proches des Criméens que des Prussiens, au rythme où on en est, hein. Ah, encore des agents russes. Les gars, vous avez pas d'autres chats à fouetter, du genre essayer de redresser votre économie? Est-ce que votre pays il est tellement dans la tourmente? Enfin, et encore, c'est un euphémisme, hein, parce que votre pays il craint la merde. Hein. Il pue, il est en ruine. Désolé de la violence de mes mots, mais c'est ça, votre pays est en ruine. Ah, là les Indiens commencent à ramener un peu du monde. J'ai plus rien à dire tellement c'est ridicule quoi qu'ils pillent 50 fois le même bâtiment. En vrai, je pense que pour la prochaine saison, peut-être pour une prochaine saison, je voudrais organiser un vote
où je fais un défi. Et en fait, ce défi, ce serait un truc du genre, par exemple, est-ce que vous voulez que je joue une nation européenne sans armes de technologie? C'est-à-dire, je ne fais aucune technologie. Je suis une nation de singes. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Ou alors, est-ce que vaudrait peut-être mieux... En vrai, je pense que je pourrais faire un truc du genre une nation entièrement technologique au niveau économique. Non. Est-ce que je pense en vrai, sans toute l'arbre de tech, c'est compliqué, mais ça peut être un bon défi quand même. Travailleur en grève en Moscovie, mais je viens de buter votre insurrection il n'y a même pas 5 minutes. Et on n'a même pas fini de creuser les fosses communes que vous attaquez déjà. Un peu de respect envers mes hommes quand même. Vous croyez vraiment que mes gars, ils ont que ça à faire que de tuer vos copains? Bah non, un peu de respect. Si vous me faites du respect, je vous en donne, moi. Mission victorieuse pour Schulzer. Alors lui, là, lui, c'est un génie, hein, c'est... C'est mon petit génie du mal. Un bon auditeur. Ah bah, c'est limite quand il l'arrête. Vous êtes un espion. Mais qu'est-ce qu'un espion? Vous avez 4 heures. Ah merde, il m'a eu le con. Il m'a encore eu avec cette fameuse technique des 4 heures. Aucun homme ne peut faire attention à cette technique. Non, vraiment, faut croire que les gens, ils aiment bien les Criméens. Hein. Vous regardez, ils les aiment. Ils les aiment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les gens les aiment. On va prendre la Tchétchénie maintenant. Allez, boum! On va sécuriser le Caucase. Ouh, mais c'est qu'il y a du monde quand même. Hein. On va attendre un peu, hein, voyez-vous. Voyez-vous, on va peut-être attendre. Ah, c'est quel tech que j'ai fait du coup? Ah, gouvernement, pas consentement. Ah, bah les gens, ils vont pas être contents du tout, c'est le consentement. Et vu comment je traite ma population. Ah oui, on a fini la religion du coup. Ah, c'est parfait. Alors, séparation des. Mince. On peut faire la société par action, ça fait plus de fric. On peut faire la citoyenneté? Mais attends, moins 2, les gens sont pas contents. Ah oui. Qu'est-ce qui est si dans un pays comme le mien, vu la taille de mon empire, qu'est-ce qui est citoyen, qu'est-ce qui est pas citoyen? Je pense qu'on va avoir un peu de ségrégation à la apartheid. On va avoir un Martin Luther King polonais, voire russe qui va sortir de l'ombre. Bah, allez savoir, dans ce monde-là, Solidarność va être un mouvement pro-citoyenneté prussienne. On aura le fameux discours de Varsovie fait par le grand Waleska, j'ai un rêve. Alors je ne sais pas comment ça se dit en polonais, hein, désolé d'avance. Enfin, vu la situation dans laquelle la Pologne est dans ce jeu, vu comment je l'occupe, est-ce qu'il y aura encore une culture polonaise dans 100 ans? C'est la question que les Français se posent. Ouais, je pense que la guerre contre le pape, elle est proche. Par contre, faut vraiment que lui tire. Ouais, il va falloir que je fasse une... J'ai deux choix. Soit je... Ouais, je pense en vrai, il y a une technique que je pourrais faire, c'est... Je fortifie au max Venise. Je me mets à Naples. On attaque depuis Naples, Rome et Milan. Et comme ça, on met en paix les Cilia. Parce que je risque de perdre mon allié. Croyez-moi que ça me ferait profondément suer de perdre une faction. Je suis quand même à l'autre bout du monde pour aller les libérer. Hein. Enfin, aller pour plutôt botter le derrière des Espagnols. Hein. Ça montre à quel point je suis sympa quand même. Hein. Alors Gesner, lui, on va le redescendre s'il ne sert plus à grand-chose. Il y a beaucoup de bâtiments à construire là en Russie. Hein. Ah. On va aller voir les finances. Parce que je suis sûr, les finances, ça doit être magnifique. Économie, elle doit exploser de partout. C'est notre ministre de l'é... En même temps, on a un Emmanuel Macron de notre gouvernement, on a un génie. Comment tu veux que je fasse? Chef, vous êtes sûr de vos propos sur Macron? Oui, bon, bah, écoute, hein. Dans ce jeu, c'est un génie. Est-ce que Macron est un génie? Un génie du mal pour avoir pris le pouvoir? Peut-être. Excusez-moi pour cette petite blague. Bon, eux, on va les laisser là, parce que j'ai pas trop confiance envers les Russes. Hein. On va même se mettre là. Je suis vraiment en train de faire une expédition en mode cassage de bouche en direct. Plus avoir grand monde là de ce côté. Ah oui, c'est vrai que j'avais mon petit bateau. Mon petit bateau. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un à... Oh, ben oui, c'est qu'il y a une bonne armée là en plus. Ouh là là. Ouais, mais je crois que ça a l'air trop instable pour qui. Oui, c'est ça, c'est trop instable. Ils pourront pas... Ils vont pas pouvoir venir me casser la figure. Parce qu'ils ont pas assez de maintien de l'ordre. Et ben allez, je vais vous péter votre port. Allez. On brûle Alexandrie. Mais chef, je crois que nos alliés vont pas trop apprécier. Ah. Oui, bon, les alliés, hein, ils avaient qu'à mieux défendre leur territoire. Hein. Écoutez, je fais comme les Américains. On libère et on détruit tout avant. Enfin, on détruit tout avant, puis on libère. Et on aide ce qui peut l'être. Écoutez, hein, c'est une méthode. Alors, économiquement, on en est comment? Alors, on gagne 43 000. Oh. On gagne 43 000 et on gagne encore 20 000 par tour. Mais là, là c'est bon, On n'a plus peur de on est... Attends, si je suis pas la première puissance économique, c'est-à-dire que l'Inde, il gagne combien par tour? Ça fait un peu peur, là. Alors, on gagne 9 000 des revenus commerciaux, 31 000 de nos taxes. Purée, on est le pire cauchemar... c'est pas Liechtenstein ou un de ces pays où tu as 0% d'impôts? Ah oui, c'est vrai que... En plus, oh oui, il y a des territoires qui peuvent payer les impôts, en plus. Allez.
vous payez l'impôt. La Moldavie, bah, la Moldavie, je pense qu'elle va finalement être intégrée à l'Empire, il n'y a pas de problème. Et voilà. L'Ukraine. L'Ukraine. Et les Ukrainiens qui sont contents de me voir. Pourtant, je vous ai envahi, hein, mais. Moi, c'est un peu comme historiquement. Les Ukrainiens étaient plutôt contents de voir les Allemands arriver. Enfin, durant la Deuxième Guerre, c'est pas très bien passé. Hein. C'est ça qui est un peu. Je me rappelle, c'était, je crois, Petit Poussé qui avait dit ça. Que les Ukrainiens auraient pu être un très bon allié des Allemands, mais les Allemands ont eu des géniales de les massacrer avec la Shoah et tout. Ah, bah, c'est pas une bonne idée. On gagne 36 000, ce qui nous fait gagner 50 000! Oh mon dieu, mais là, on est en train de devenir le pire paradis capitaliste au monde! Pendant ce temps-là, en Inde. Putain, en Inde, ils sont toujours bien. Ah, Tarabai est morte, Tarabai 2. 70 ans, et pourtant, elle est toujours aussi canon. C'est comme la reine de Jordanie, elle a 50-60 ans, pourtant, elle est toujours pas mal. Elle est toujours canon. Canon, canon, canon. Alors, du côté de l'Amérique, qu'est-ce qui se passe? Ah, la Nouvelle-France s'est fait bouffer? Oh oui, les Anglais ont bouffé la Nouvelle-France. Les Anglais sont isolés. Oh, mais il y a un truc intéressant, là. Regardez, on s'entend avec tout le monde. Et là, attends, là, on doit faire une alliance. C'est l'international, là, c'est la Grande Alliance. Notre glorieuse... Mais attends, notre glorieuse nation, je te fais un doigt d'honneur, mec. Non, mais attends, je te prouve... Regarde, t'es en guerre contre la France et tu veux pas d'alliance. Faut savoir. Et après, là, monsieur va chialer en disant que l'Union Européenne l'a arnaqué et que le Brexit, c'était pas une bonne idée. Bah oui, mais décidez-vous, bon sang. Décidez-vous, messieurs les Anglais. Messieurs les Anglais, décidez-vous. Décidez-vous les premiers, de base. Oh. Oh, la bataille. L'Africa Corps. Ah oui, parce que là, c'est complètement Africa Corps. Comment voulez-vous que ce soit... Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre à part l'Africa Corps? Bah, l'armée prussienne. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, ah oui, c'est vrai que c'est Amazon Taomé. Alors, petit... truc cauchemardesque, Amazon Dahomey. Ça tire 20 mètres de plus. Donc autant vous dire que, en fait, quand tu joues les Amazones du Dahomey avec le Maroc, ça fait très mal. C'est en fait ton seul avantage, c'est que les Amazones du Dahomey tirent plus loin que les unités européennes, mais je crois qu'elles ont des malus de précision. Ah non, elles tirent aussi bien que mes hommes. Ah oui, ça fait mal. Par contre, le gros problème, c'est que les Amazones Dahomey n'ont que... Ah, c'est pas indiqué, mais normalement, elles n'ont pas de munitions. Ça veut dire que ces unités-là, au bout de 15 minutes d'affrontement, il n'y a plus de munitions. Donc j'ai déjà fait une bataille contre les Espagnols il y a longtemps. La bataille, je l'ai gagnée, mais c'était... En fait, j'ai gagné uniquement parce que j'ai envoyé toutes mes Amazones au corps à corps et elles ont tout taillé en pièces. Sachant que la légende raconte que les Amazones Dahomey ont tendance à collectionner les têtes de leurs ennemis, alors là c'était, ça ressemblait plus aux pyramides de crâne sous l'Empire Mongol, cette histoire. Bon, j'espère que vous aurez bien aimé ce petit épisode, et je vous dis... Enfin, petit, c'est un euphémisme, mais bon. Et je vous dis à la prochaine, bye.